Bonjour et bienvenue dans ce panoramique qui permet d'illustrer un peu la scénographie des décos du Festival Strasbourg Méditerranée 2013. Donc pour cliquer sur ce panorama, vous avez une petite flèche qui apparaît ici. Vous cliquez ici et vous arrivez de façon dans un schéma classique pour rentrer dans une pièce, faire le tour avec les sorties et pour aller directement d'un point 1 à un point 2. Donc le fonctionnement est très simple. Une fois arrivé ici, vous êtes à l'entrée, vous pouvez aller ici, tourner. Là pour l'exemple, j'ai mis quelques liens avec par exemple la fiche Palpygmée. Donc si on clique dessus, on va directement sur le site de l'artiste. Pour revenir, voilà, ça c'est des petites indications. Comme c'est un essai, ça permet de montrer un peu les différentes possibilités du panorama. Donc dans cette panorama, il y a une bande son qui est mise automatiquement. C'est des petits oiseaux, donc on peut la changer à souhait. Donc là, on peut visiter l'expo photo, une petite flèche, et on arrive directement dans le décor de Strasbourg Méditerranée. Donc normalement, au niveau du temps de connexion, ça devrait aller pour une vitesse à 8 mégabits en descendant. Donc voilà, le fonctionnement est très simple, il y a des petites flèches, et ces petites flèches, il suffit de les cliquer dessus pour voir un point de vue différent de la salle. Voilà, là vous avez un point de vue avec des lumières différentes. Le fonctionnement, je pense qu'il est vite compris. Et puis voilà, donc je mets fin à cette petite démonstration pour présenter ce petit panoramique. Voilà, à très bientôt. Au revoir.